Alors, continuons. Continuons, continuons. Alors, j'avais entendu quelque chose, mais visiblement, il n'y avait personne. Quand même bizarre. Pour venir me rejoindre, bon courage. Ah mais il va sauter. Oula. Eh, hey, jeune fille, êtes-vous la personne qui a chassé les disciples devant ma maison? Oui, c'est bien vous. Approchez que je puisse voir votre visage. Oh, par les dieux. Qu'est-il arrivé à votre peau? Existe-t-il une cure miracle? Ou ai-je perdu la raison? Pour votre peuple, je suis une étrangère. Je suis originaire d'Ambari. Ah, d'accord, je vois. Ne partez pas tout de suite. Vous pourriez peut-être me renseigner. Je suis dramaturge. Et à la recherche d'inspiration... est une quête permanente. Sans vouloir me vanter, mes pièces sont les meilleures de tout AF. J'ai remporté le concours de théâtre du festival du vin 16 années de suite. Vous avez peut-être déjà entendu parler de certaines de mes œuvres. Racontez-moi votre histoire, écrivez-moi votre comté. Votre contrée, pardon. Et j'ai besoin d'élargir mes horizons. Pour 1000 onces de poussière d'étoiles, j'intègre Ambari dans ma pièce. La dernière fois, je me suis fait quand même un peu rouler dans la farine. Hein. Bon, allez, on s'en fout. Que voulez-vous savoir? Fantastique, vous êtes une privilégiée. Je suis heureux que vous l'ayez compris. Bien, ne perdons pas de temps. Peu importe si cela prend un siècle ou deux. Par conséquent, parlez-moi du paysage d'Ambari, de son économie, de ses coutumes, de ses systèmes et de ses mots. Eh, doucement, je ne dispose pas de tout ce temps. Mais cela ne suffira pas. Vos explications sont insuffisantes pour comprendre l'essence de votre pays. Vous m'écoutez au moins? Je suis pressé. Si Ambari vous intéresse tant que ça, pourquoi ne pas vous y rendre? Est-ce là de l'humour d'Ambari? Oh, une seconde, je dois prendre des notes. Mais non, ça n'a rien à voir avec Ambari. Oh, dans ce cas, passons à la suite. Écoutez, je suis ici depuis beaucoup trop longtemps. Il faut que je parte. Non, attendez, j'ai un cadeau pour vous. Pour vous témoigner ma gratitude. Il s'agit d'une de mes pièces. Pas la meilleure, mais suffisamment réussie pour décrocher la deuxième place au concours de théâtre du Festival du Vin. Si vous voulez apprécier mon travail à sa juste valeur, c'est un bon début. Oh, je vous remercie. C'est tragique que votre pays n'ait pas de pièces comme les nôtres. Vous pourriez apporter l'art du théâtre à Ambari, et par la même occasion, maintenir l'art d'AF en vie. Nous vivons peut-être longtemps, mais nous n'avons aucun futur. Nous sommes prisonniers de l'éternité. Point d'avenir en ces lieux, mais votre pays a certainement un moyen de sauvegarder les pièces aphésiennes. Pourtant, beaucoup de gens se démènent pour lever la malédiction qui afflige votre ville. Il ne faut pas baisser les bras. Vous êtes bien trop optimiste. Une pièce qui nécessite 24 choristes et 4 ou 5 acteurs de talent. La mort a décimé toutes les troupes que je connaissais. Donc à moins de rassembler une bande de harpies, qui plus est, un dramaturge sans public n'est pas grand chose. Je ne suis plus l'ombre que de moi-même, jeune fille. Mais je reste malgré tout Aristophane, le roi du théâtre. S'il vous plaît, à partir de maintenant, faites connaître mon nom. Ok. Ouais, j'ai perdu de l'argent, mais c'est pas grave. Pas grave, c'était pour aider quelqu'un. Faire gaffe, il y a quelqu'un qui est là-bas. Someone singing? C'est marrant ça que ça soit inclus dans le...
dans le jeu comme un brisage du quatrième mur. Un vieux mot sur la porte précise, convoqué par la Légion, parti à l'Académie Phalan, personne... Personne quoi? Personne à la maison. Non, je voulais pas frapper. Flashback. Oh, j'avais pas vu le géant, j'avais pas fait gaffe. Sur le coup. Maintenant j'y pense, les personnes en train de chanter, est-ce que ce ne serait pas des harpies justement? Normalement c'est censé être les sirènes qui attirent les gens par leur chant, mais selon certaines traductions, les harpies et les sirènes ont un peu les mêmes capacités. Ok. Marissa est tombée dans une embuscade, mais une question subsiste tout de même. Où s'est-elle enfuie? Par un brouillard si dense, elle ne savait peut-être même pas où elle allait. Quelle voix magnifique! Qui veut bien chanter au beau milieu de cette brume? Par le soleil, la lune et tous les vents, cette créature est incroyablement immense et majestueuse. Est-ce une harpie? Tous les disciples de l'Étrus semblent en admiration devant elle. S'agit-il également de l'une de leurs créations? J'ai trouvé une lettre pour Vulcan, devrais-je la lui donner? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on va donner la lettre à Vulcan. Trop important pour elle.
ordre de mobilisation spéciale. Afin d'assurer la sécurité publique, l'ordre et la stabilité d'AF, tous les habitants de la région sont par la présente soumis à l'état d'urgence. Oh tiens, comme c'est étrange. La loi martiale est appliquée sans exception tous les jours à partir de 20h jusqu'à 5h du matin. Oh non, un couvre-feu! Une ration fixe de poussière d'étoiles sera distribuée à tous chaque matin, en commençant par les aristois, puis les citoyens et enfin les esclaves. Veuillez vous soumettre à toutes les mesures mises en place. Pour ceux ne possédant pas de permission exceptionnelle, toute entrée ou sortie de la cité est interdite. Le commandant de chaque quartier est responsable de l'application de ces règles, sauf en cas de force majeure. De plus, toute sortie non autorisée sous le régime de la loi martiale est strictement interdite. Les rassemblements, les parades et les manifestations sont strictement interdits. La propagation des rumeurs par le biais d'affiches ou de graffitis est strictement interdite. Le port d'armes ou tout objet considéré comme dangereux est strictement interdit. Ah bah putain. L'usurpation d'identité visant à s'approprier la ration de poussière d'étoiles d'un citoyen est strictement interdite. Il est strictement interdit de refuser de se soumettre à un interrogatoire, même au sein d'une propriété privée, sous peine d'arrestation. Toute tentative de trouble à l'ordre public ou de mise en danger de la vie d'autrui sera punie par une condamnation à mort. Oui, rien que ça. Les secteurs au-delà du bas du quartier ne sont pas soumis à cette loi martiale. Quatrième jour du 7e mois de l'an 1327, donc ça fait plus de 1000 ans, âge de la connaissance, signé Marble Archonte de la Légion. Les décrets de la loi martiale ont été dénaturés. La Légion n'est plus garante de justice. Que dire des disciples alors? En termes d'injustice, personne ne leur arrive à la cheville. C'est pas faux. C'est même très très vrai. Oh shit. Un gros minotaure là-bas. Putain, le CV qu'il a par contre. Il va me l'envoyer à la gueule. Oh, il me fonce dessus avec. Oh, les dégâts que j'ai pris. Ah, oh, c'est dommage que l'IA soit aussi conne. J'ai plus de stamina. Merci le bâton, hein, bien évidemment. Le bâton, meilleure arme du jeu, hein, je ne cesserai de le dire. A faint light flashing on the ground. There's a rose in the starlight. This delicate could only be owned by an Aristoi. It must be Marissa's. There's some animal footprints. It looks like they've taken her. Maybe the neighbors know something. Alors, on va éviter de parler aux voisins tout de suite. Vraiment très très con, purée. Oh purée, j'ai pas vu le...
calque, c'est plutôt pas mal. Gêne quand même hein. Il est passé où le... Je suppose que ça ramène au centre. Oui, ça ramène au centre. Ok, donc en soi, on a débloqué le raccourci, c'est plutôt bien. Et j'ai peur de m'aventurer trop aussi, c'est un peu galère ça. Parce que j'ai pas envie. On sera de ma part. Ouais, on va voler vers où là. Heureusement qu'ils sont cons hein. Oh c'est terrible hein. Heureusement qu'ils ont un QI négatif hein. Ah, tout ça pour ça. Un peu déçu. Déçu, il y a vraiment rien. Enfin, il y a quand même un raccourci, c'est quand même pas négligeable, mais bon. Je m'attendais à un peu plus. Bon, bah, du coup, vu qu'on a tout. Non, on a. Si, je crois qu'on a visité ici. Oui, oui. Juste que j'ai pas envie de tomber, parce que si je tombe, bon, je suis dans la merde. Que son dialogue aurait changé avec le truc. Ah tiens, il n'y a plus les disciples. C'est étrange. Rien derrière. Je me suis dit, on sait jamais, il y a peut-être un baume ou quelque chose comme ça. Mais non, rien du tout. Qui êtes-vous? Ce lieu ne connaît pas de répit. Tensions et affrontements y sont monnaie courante. C'est un cauchemar qui se prolonge indéfiniment de jour comme de nuit. Dehors, les disciples ont capturé plusieurs personnes. Ils affirment vouloir libérer les innocents. Ils ont perdu la raison. Peut-être pourriez-vous m'éclairer? Avez-vous entendu une fille se débattre récemment? Oh oui, je me souviens de ses cris. Par les trois, ils veulent sans doute la sublimer. Connaissez-vous l'endroit où se déroule le rituel de sublimation? Pourquoi? Vous voulez vous joindre à eux? Tout à fait. Continuez par là, c'est au niveau de l'esplanade, en face de l'amphithéâtre. Ils vous recevront chaleureusement. Les disciples d'Etrus savent comment se faire obéir. Pour les personnes telles que vous, qui ont une piètre estime d'elles-mêmes, la mort est une libération. Ok. On va essayer de parler à l'autre voisin aussi. Bon, genre. J'ai
pris un peu cher quand même, hein, purée. Vous êtes en sécurité maintenant. Oh, merci infiniment. J'avais une course à faire quand ces monstres sont sortis de nulle part. Je peux vous aider ? Ah, vous êtes si aimable. Je voulais juste remettre cette poussière d'étoile à ma cousine. Elle habite à côté de chez moi. Puis-je vous faire confiance ? Bien entendu, je n'ai pas besoin de poussière d'étoile et je ne travaille pas pour les disciples. Oh, très bien alors. Après tout, vous m'avez sauvé la vie. Si vous changez d'avis et gardez la poussière d'étoile, considérez-la comme votre récompense. Je vais la livrer pour vous. Merci bien, que les dieux vous bénissent. Ok, poussière d'étoile dans un foulard. Je pense pas que ça soit elle. Hein. Ça doit être l'autre, celle aussi qui s'appelait Dame. Qui est-ce? Quelqu'un m'a demandé de vous remettre cette poussière d'étoile. Oh, le motif de cette écharpe. Je l'ai déjà vu, c'est l'écharpe de ma cousine. C'est étrange pourtant. Où est-elle obtenue de la poussière d'étoile? Est-ce que cela vous aidera? Oui, j'en ai bien besoin. Si ce n'est pas trop demandé, pourriez-vous les remercier? Elle ainsi que sa fille pour moi. Sa fille? Oui, ma cousine n'a été mère que très tard dans sa vie. L'enfant est pleine de vie et tout à fait charmante. Sa voix porte jusqu'à l'extérieur de sa maison. Au fait, si vous pouviez donner ceci à la petite, je l'ai trouvée récemment. Auriez-vous l'amabilité de lui remettre? Naturellement. Merci. Un peigne en papillon. Ok. Tout ceci est très étrange. On va me faire faire des allers-retours encore. Je le sens venir. Avec un twist. Ah, cette façon si délicate de toquer. Est-ce vous, mon ami? Oui, j'ai tenu parole. En retour, voici un cadeau de votre cousine pour votre fille. Mais je n'ai aucun enfant. Il doit y avoir un malentendu. Hein? Elle a pourtant affirmé... Est-ce que ceci vous appartient? C'est rafraîchissant sur une jolie fille telle que vous. Oh, il ne fait aucun doute, ce présent où vous êtes destiné. Non, attendez. Prenez-le, je vous prie. Une vieille femme comme moi ne peut pas porter une telle chose. C'est quand même très étrange. Je n'ai rien d'autre à vous demander. À présent, rentrez chez vous, ma chère. Que la paix soit avec vous. Ah ouais, tu laisses le truc comme ça? Genre, tu laisses le... Ok... Quand même très bizarre. Ok, d'accord, bon bah génial, moi bon, j'ai gagné un peigne. Qu'est-ce qu'il fait? Peigne papillon. Oh, c'est juste vraiment, c'est juste un accessoire, hein, purée. Ce joli bijou pour cheveux est un petit accessoire qui conçut par le passé une grande popularité à AF. Il reste encore prisé des filles et des jeunes femmes. Si je l'équipe, il se passe quoi? Ouais, elle le porte même pas, donc... Ça sert à rien, donc j'ai deux points d'attribut et un point de talent à mettre. Je vais pas le faire maintenant. Il y a le temps. Ouf. Mince. T'as heureusement qu'il est con, hein. Putain, c'est terrible. Heureusement que les combats de boss sont cool. Parce que franchement, là le jeu est pas. Il est pas très criant de difficulté comparé à un Soul qui était vraiment punitif sur beaucoup de choses. Là les mobs ils arrivent et ils attendent pour mourir. C'est littéralement ça. Oh!
première harpie défoncée. Ah, ils sont pas si agressifs que ça les mobs, donc c'est pas très effrayant non plus quoi. Enfin effrayant. Pas trop stressant. Oh, lui il est agressif lui. Ça a l'air tellement grand. Je sais même pas par où passer. Ah, vous êtes venu pour m'amener au rituel de sublimation? Non, je ne fais que passer. Oh, quel dommage. J'attends qu'ils viennent me chercher. Ils arriveront bientôt. Alors je veux être libéré de la poussière d'étoile. J'ai hâte de ne plus subir ce fardeau. Que cette ville disparaisse de la surface de la planète. Cet endroit est une aberration. Il n'aurait jamais dû exister. Êtes-vous nombreux à attendre ainsi la sublimation? Très nombreux. Si la sublimation peut me soulager de la faim, pourquoi la refuser? Rendez-moi un service. Si vous rencontrez les adeptes de l'Étrus, demandez-leur de venir me chercher au plus vite. C'est très bizarre à quel point la zone est hyper malaisante, hein. C'est incroyable. Il y a une tension dans cette ville qui est très très malsaine. Alors s'il y a eu un truc de sauvegarde comme ça, enfin de chargement, je pense que c'est qu'il doit y avoir. Ah ouais, mais là on est au truc de sublimation, j'ai l'impression. S'approcher. Il y a une harpie. Ouf. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. C'est quand même triste, hein. C'est quand même ultra triste, hein. Je veux dire, dans n'importe quel Souls, les mobs ils m'auraient poursuivi jusqu'au bout de la nuit. Là j'ai juste à reculer 5 mètres, c'est bon, il n'y a plus rien quoi. C'est terrible. Oh, il a eu le temps de se transformer, le bâtard. Voilà. Pourquoi est-ce que je m'endette, hein. Je veux dire. De toute façon, les combats épiques, vous les aurez contre les boss. Hein. Bloc d'or.
très étrange qu'on ait rien. Ah ah ah. Alors, note d'un disciple. Aujourd'hui, nous avons réalisé le rituel de sublimation, présidé par Frère Doron. Lorsque ces magnifiques plumes se sont matérialisées, lorsque ses ailes majestueuses se sont déployées, j'ai compris que Frère Doron méritait amplement le titre de donneur de plumes. C'est grâce à lui que nous avons pu vivre une si belle sublimation. Malgré son exploit incroyable, il demeure aussi humble que d'habitude, attribuant tout le mérite à l'Etreus. C'est un exemple à suivre. Ces pauvres brebis égarées n'ont ni force spirituelle ni la force charnelle. Le don de l'Etrus leur est trop... Pardon, leur est trop accablant. À ce propos, j'ai demandé l'assistance de Frère Doron, et il l'a gracieusement accepté. La force spirituelle est capitale dans la réussite du rituel de sublimation. Le donateur et le réceptionnaire... Quoi ? Le récipiendaire. Ah d'accord, ok. Le récipiendaire doivent tous deux être puissants pour assurer sa stabilité. Et par extension, ses chances de succès. Ok, bon, je connaissais ça plus sous le nom de vassaux ou quelque chose comme ça, mais là, récipiendaire, c'est... Ça faisait longtemps que j'avais plus entendu ce terme. Rien ici, ok, c'est un peu la tristesse. Là, là par exemple, il aurait dû y avoir un mob caché ou quelque chose comme ça. Ah non, c'est pas un piège. Alors, on sait jamais, hein. Un éclat, c'est toujours cool. Ah, parfait. Alors, simple précaution. Est-ce que j'ai tout visité ou pas? Là-bas, j'ai visité. Je crois pas que j'ai visité là-bas. Je crois que... Là-bas, j'ai pas visité, je crois. Là-bas, oui, c'est un cul-de-sac. Ok. On va aller faire, un petit tour là-bas. Sanctuaire du gardien. Must be hiding in that shrine. Ah oui, il est là, purée, je l'avais pas vu. J'étais en train de lire. Ok, bon, bah du coup, on va aller. On va faire ça. Puis après, on va retourner en arrière.